Bonjour à toutes et à tous, c'est Okonai. Aujourd'hui, je vais vous montrer des astuces dans League of Legends que vous ne connaissez peut-être pas. Alors, il y aura des astuces plus banales pour certains, surtout pour les plus anciens. Perdons pas de temps, c'est parti. Numéro 1, le fake ward. Cette technique consiste à faire semblant de mettre une ward quelque part pour que l'ennemi indique à son jungler ou à utiliser un red trinket dans la zone du fake. Soit vous allez faire semblant sans être vu dans le Fog of War, soit vous pouvez le faire devant son nez. Arrêtez-vous une seconde devant le buisson pour faire genre que vous mettez la ward et il va croire que c'est wardé. Et évidemment, ça marche une fois, la deuxième fois, peut-être qu'il va pas y croire, donc faites attention. Astuce numéro 2, les boucliers vous protègent de votre back. Alors, c'est ultra méga situationnel. Mais dans une situation où vous êtes mal pris et qu'il vous reste, je sais pas moi, 0,3 secondes pour votre back et que vous avez une barrière ou une Janna qui vous shield à distance, et bah ne paniquez pas, votre back ne sera pas annulé et ça peut vous sauver la vie, donc voilà, maintenant vous le savez. Astuce numéro 3, mettre une control ward proche d'une simple ward ennemie enlève toute la vision que la simple ward donne. Donc dans certaines situations, c'est parfois mieux de ne pas perdre son temps à taper la ward et faire l'objectif à côté, ça peut être super utile. Car taper la ward vous rendra visible à l'ennemi et ça va vous faire perdre du temps. Donc vraiment, des fois, ne tapez pas la ward, c'est pas nécessaire. Astuce numéro 4, on peut cacher le red buff du topside dans ce buisson sans perdre l'aggro. C'est souvent pratique en invade car le jungler ennemi s'y attend très rarement ou il savait tout simplement pas et il va perdre du temps. Astuce numéro 5, garder des stacks de la rune dématérialisateur peut être une bonne idée pour détruire facilement les canons boostés, que ce soit mêlée ou distance, par l'item bannière de commandement en late game dans des situations un peu difficiles. C'est souvent utilisé dans les compétitions, mais si en solo queue, vous le sentez, bah vous pouvez test au cas où. Numéro 6, vous pouvez utiliser votre téléportation sur certains sorts de champions. Bon, ça c'est très connu, mais je vous le donne au cas où. Cette vidéo est aussi et surtout pour les nouveaux joueurs. Donc voilà. Donc oui, en effet, on peut se téléporter sur les lances de Jarvan, les lanternes de Thresh, plus ou moins toutes les invocations et pièges de certains champions comme Shaco, Malzahar, Jhin, etc. Numéro 7, le fake leash. Alors ça aussi c'est assez connu, mais c'est souvent oublié dans les games malheureusement. Et le but est de faire semblant d'aider notre jungler à faire son premier buff. En utilisant par exemple de la mana et en arrivant un peu après sur la lane comme si on l'avait aidé. Alors pourquoi faire ça? C'est tout simplement pour brouiller les pistes de l'équipe adverse, surtout du jungler adverse. Et ça mettra plus de pression sur les lanes parce qu'ils ne sauront pas s'il a son red buff dès le niveau 2 ou un petit peu après. Numéro 8, si vous avez des potions rechargeables, vous pouvez activer les potions dans les escaliers pour regen plus vite. N'oubliez pas de remonter pour les recharger. Alors, c'est très minime, hein. C'est vraiment, si vous avez le temps de le faire et que vous voulez gagner genre 0,5 secondes ou 1 seconde, ça peut être efficace, mais il faut vraiment les faire dans les escaliers parce que si tu les fais au milieu de la fontaine, ça va pas fonctionner en fait, ça va reset tout de suite tes stacks. Numéro 9, bon, ça tous les anciens joueurs connaissent, si vous lancez un CC sur le Carapateur, il prendra deux fois plus de dégâts jusqu'à ce qu'il meure. Même s'il reset, car vous l'avez pas fini une demi-heure plus tard, il aura toujours le debuff tant qu'il n'est pas mort. Et pour les CC, ça marche sur plus ou moins tous les CC sauf les slow. Numéro 10 et le dernier, celle-là c'est bonus, car c'est totalement mais complètement inutile. Mais je le fais souvent, vous pouvez continuer de marcher après que le Nexus explose. Ah bah oui, je vous l'avais dit, c'est complètement inutile. Pour cela, il faut lancer un sort où vous ne contrôlez plus votre personnage pendant un court instant. Par exemple le R de Lissandra, le E de Zac, le R de Warwick, et j'en passe. Sinon vous pouvez toujours utiliser le Zhonya, ça marche très bien. Il faut le faire en fait juste avant que le Nexus explose. Mais vraiment à la dernière seconde que le Nexus explose. Et ensuite vous cliquez dans la direction que vous voulez. Donc moi souvent je vais dans la direction du Nexus. Comme ça on me voit arriver après comme un gros bolos. Et ça me fait rire, voilà, je suis peut-être le seul à... voilà. Je suis peut-être le seul, ça me fait marrer. Bref, je vous le donne au cas où. Donc voilà, je vous ai montré les 10 astuces que vous connaissez peut-être pas sur LoL. Si vous avez d'autres astuces ou si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à mettre un pouce bleu, pouce rouge. Ça aide beaucoup pour savoir si je vais dans la bonne direction. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!